Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour la dernière partie de ma collection de make-up en détail sur les produits lèvres, les rouges à lèvres, bâtons et les gloss. Donc oui, cette partie aura quand même été en trois parties. J'abuse un peu sur les produits lèvres. Bref. Donc, on va commencer tout de suite. Là, j'ai pas vraiment beaucoup de marques similaires, hein. J'en ai parfois 2-3, mais il y a juste les jumbo focalure que je ferai après les rouges à lèvres bâtons. Donc, je vais commencer par les 3 mini comme ça de chez H&M que j'avais eu dans le calendrier de l'avant. Donc, je vous remets le bilan de mes calendriers de l'avant en barre d'infos. Voilà, il y en a que un ou deux que j'ai utilisé une fois. Je ne les ai pas tous utilisés. Après, c'est des très bons petits rouges à lèvres. Il n'y a pas de teinte. Je ne sais pas vous donner les teintes. Celui-là, il est très beau. Mais c'est du crémeux. Hein. C'est souvent avec les rouges à lèvres. Bâton. Celui-ci, c'est un métallique. Et il est très opaque hein, pour un métallique. Donc voilà pour les 3 mini de chez H&M. J'ai également un mini de chez MAC qui est le Hot Teddy, je crois. Velvet Teddy. Donc ça, c'était un cadeau de Manon. Que j'avais pas vu d'ailleurs. C'était dans un swap de Noël. Voilà. C'est un nude un peu marronné. Comme ça, il est très beau. Apparemment, c'est un grand classique chez eux. J'ai deux mini de chez Anastasia Beverly Hills. Donc j'ai le Dead Roses. C'est mon préféré des deux. Il est canon. Et ceux-ci tiennent plutôt pas mal sur mes lèvres, les Anastasia. Et j'ai le Cotton Candy. Donc celui-ci, c'est un bien rousse. Voilà, ceux-ci sont mats et ils tiennent franchement pas mal. Donc j'en ai un de chez Marc Jacobs, donc ça c'était Marise qui me l'avait envoyé, c'est le Sugar. Donc je l'ai déjà bien utilisé, je l'aime beaucoup, il fait partie de mon Big Project Pan, pareil que je vous remets en barre d'infos. Donc c'est un beige lumineux comme ça, un peu satiné, métallisé. Je le mets toujours sur un crayon un peu rose, donc il donne très bien, franchement très bien. Par contre c'est des packagings, c'est un enfer à ranger. J'en ai un des Velvet Trap comme ça de chez Jeffree Star, donc hein, c'est une balle de pistolet. Hein. C'était un que j'avais eu dans le swap de la part de Amy. J'adore la couleur, mais alors il fait un effet dégueulasse sur mes lèvres. C'est affreux, ça tient absolument pas. Autant les liquides mat, ils tiennent d'enfer que celui-ci ne tient pas. J'aime beaucoup la couleur, mais ça fait plusieurs fois que je me tâte à voir si je le garde ou pas. Il est très beau quand même. Hein. Donc, à réfléchir. J'en ai deux de chez Natasha Denona. Donc, toujours, pareil, de la part de Maryse. Elle m'en avait envoyé 4, mais j'en ai revendu 2 parce qu'ils étaient très similaires. J'ai le... Donc, c'est I Need a Nude. Un mot... Rosa. J'ai gardé vraiment mes deux préférés. Donc là, on est plus sur un marronné. Un nude marronné, comme ça. Il est superbe et ceux-là tiennent très bien sur mes lèvres pour des en stick. Et j'ai gardé le Jennifer, je crois. Ouais, c'est bien ça. Qui là est plus un rosé. Voilà, je les adore ces deux-là. Je les utilise très 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 souvent. Donc on va passer à mon petit rangement. Comme ça, je vous ai déjà fait les 3 mini, mais on va faire dans l'ordre. Hein. Je vais commencer derrière parce que comme ça je vois. J'ai un mini de chez NYX, comme ça, que j'ai pas encore utilisé, celui-ci, ou peut-être une fois. Alors, il n'y a pas de teinte dessus. Assez. Up the bass. Monte le volume. C'est un mat aussi, et ça reste un... Bon, je vais aller faire un peu plus loin. Ah bah, il est foutu. Donc, j'avais un comme ça. Voilà, vous voyez un petit peu. Mais bon, du coup... produit terminé. J'en ai deux de chez Révolution, de la gamme Révolution Pro.
Je les adore. On a le Undress et le Séclusion. Oh, j'ai le nez qui coule, ça y est. Je suis dans le bureau, ça coule. C'est vraiment deux que j'adore. Et pareil, ils sont bien mat. Ils tiennent pas mal pour le prix. Ils sont bien. Ça, c'est le Undress. Et le Séclusion, qui est mon préféré des deux, parce qu'on est dans du mauve un peu dark comme ça. Vous avez été pas mal à l'acheter le Séclusion après que je l'ai utilisé plusieurs fois. Ah bah bravo, déjà que mon fond de teint il tient pas bien. J'en ai deux comme ça de chez Shiglam. Donc j'ai un mat et un satiné. J'en avais reçu plein de la marque, mais j'en ai gardé que un de chaque. Les autres, je vous avais mis en concours ou ils vont arriver dans un concours, je ne sais pas. J'ai d'abord le chic, qui est le mat. Donc voilà, là on reste sur du nude assez basique. Et l'autre c'est le In My Head. J'aime bien la forme du pan, enfin du bâton quoi, du raisin. Et j'aime beaucoup la teinte. Là on part sur du un peu brie comme ça, très 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 joli. Alors j'en ai un de chez Chanel, ça, c'est le Legendary. Non, c'est le Légende. Il est très vieux. Hein. C'est un très vieux cadeau d'anniversaire. Je l'aime beaucoup. Il tient pas du tout, mais voilà. Il est beau. Il a des légères paillettes. Mais alors vraiment, c'est très 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 léger. Il fait un peu irisé comme ça. Voilà. Je l'aime beaucoup. Je l'utilise rarement, mais il est là. Celui du coffret de mon cadeau d'anniversaire. Donc je vous remets le crash test en barre d'infos de la part de Maryse. On est sur du rouge brique, un peu bordeaux. Bon, non, vraiment rouge brique. J'ai un petit The Big Glam, donc c'est plus un Caring Glitter Lip Glow, c'est plus un baume à lèvres, comme le Huda que je vais vous montrer après avec les glosses. Mais qui a des petites paillettes dedans. Et celui-là, pareil, hein, sur un crayon, il est vraiment très 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 joli. Mais les petites paillettes sont trop 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 d'eau, trop belles. Donc voilà pour la première fournée des rouges à lèvres bâton. J'ai cru que j'avais pas mis enregistré. Les glosses, ça va être un enfer à nettoyer après. Alors, j'en ai trois de chez Révolution. J'ai les trois Game of Thrones. Donc, j'avais acheté tout le coffret avec les trois petites palettes et les trois rouges à lèvres assortis. Donc, j'ai d'abord c'est le Lannister ici, qui est très beau. Mon préféré, c'est le Stark, mais je les aime tous. On a le Targaryen. Ils sont pas mal, hein, franchement. Après, ils n'ont rien d'exceptionnel. Et le Stark que j'utilise assez souvent, qui est plus rosé. Voilà pour les trois Game of Thrones. J'ai un X Suède, comme ça que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. C'est le Moonwalk que j'aime. C'est un il a vraiment une couleur vraiment particulière celui-ci, c'est un gris anthracite avec des sous-tons un peu lilas, comme il est sublime. J'ai le NYX Neytiri, donc de la collection Avatar. Je vous ai fait le crash test complet, donc pareil, je vous le remets en barre d'infos. Je vais encore oublier la moitié des. Et il est sublime, c'est un bordeaux mais tirant sur l'aubergine comme ça. J'ai le rouge comme ça de chez Sephora, c'est le 9133A. Il n'a pas de nom, hein, c'est juste. Voilà, c'est un des rouges que j'utilise le plus. C'est un bâton, mais il est pas mal.
J'ai deux Too Faced, donc j'ai d'abord un long comme ça qui est un satiné, qui est le Marshmallow Bunny, je crois. Non, Shimmering Marshmallow. Et j'adore la teinte, et celui-ci pour l'été, il est juste canon. Mais c'est un satiné, mais il est sublime. Sublime, sublime, sublime. J'en ai un de la collection Peach, c'est le Bridezilla, j'adore le nom. Ils sont bons et il y a des petites pêches gravées dessus et pareil, il est sublime. Et vous voyez qu'il est super opaque là. J'ai bien sûr le Mustave, le Pilotalk de chez Charlotte Tilbury. Donc ça, c'était un cadeau de la part de mon frère. C'était le coffre, il m'avait offert le coffret à Noël, il y a quelques années maintenant, hein. Mais c'est le nude par excellence. Et il tient plutôt pas mal. Toujours de chez Charlotte Tilbury, j'ai une édition limitée comme ça, Maryse, hein, c'est pas moi qui achète. Hein. C'est le JK Magic et je l'aime énormément. C'est un nude un peu plus beige, donc je vais faire le swatch. Je vais recommencer en dessous. Il est magnifique, vraiment magnifique. J'en ai deux de chez Pat McGrath, donc pareil, hein, Maryse. J'ai le Amour. Et c'est deux que j'adore. Mais je crois que le Amour, c'est mon préféré des deux. Quoique, je ne sais plus si c'est celui-là ou l'autre. Ils sont hyper. Franchement, c'est des très bons rouges à lèvres. Après, ça fait vraiment très, 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 très cher. Et le Divine Romance. Regardez-moi ça. Pouah. Il est canon et wow, pigmentation de dingue. Franchement, ils sont vraiment très beaux. Ils sont vraiment pas mal et je les adore. Alors, avant de passer au jumbo focalure, je vais nettoyer ma main, mais je vais vous montrer le jumbo comme ça. Donc, c'est un crayon Super Stay Ink crayon en teinte Rich Eye, je crois. Ouais, c'est bien ça. De chez Maybelline. Ça, c'est un cadeau de Manon dans un swap et je l'adore, je l'utilise très souvent. Je l'ai mis hier pour aller la voir d'ailleurs. Il est très 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 beau, c'est un nude vraiment parfait. Il sent super bon et ça tient plutôt pas mal. Voilà, je vais faire les focalures et après on passera au gloss. Donc les jumbo focalures, j'en ai 9. J'ai vraiment pris les teintes qui me plaisaient le plus. Voilà. Donc on va commencer par mon préféré de chez préféré de tous les temps, c'est le Del Rio, le numéro 16. Oh, je l'adore celui-là. Vous me l'avez déjà vu porter beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Alors c'est rétractable, hein, et celui-là, je l'ai déjà bien utilisé. Hein, voilà ce qui reste. C'est celui que j'utilise le plus. Je l'adore celui-là. Je l'adore. Je le mets très 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 souvent. D'ailleurs, il fait partie de mon Project Pan également. D'ailleurs, je vais remettre ceux qui font partie de mon Project Pan juste ici. Alors, je vais essayer de faire les mats. Ensuite, j'ai deux métalliques. Mais sinon, j'ai que des mats. Hein. Alors, j'ai le Brave. Celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Je l'ai vraiment beaucoup utilisé aussi. C'est un nude rosé comme ça. Magnifique. Et ça tient d'enfer. Hein. Franchement, je les adore. Ça, c'est un lumineux. J'ai le Razzmatazz. Qui est vraiment plus rose, hein, là, pour le coup. Mais vous voyez que c'est super opaque. Hein. Franchement, pour le prix de ces trucs-là. Le Derrio, je l'aime beaucoup aussi. Enfin, je les aime tous. Très beau. J'ai le Instigator. Et j'ai le Notice Me. Je crois que je l'ai jamais utilisé celui-ci. Parce que c'est une couleur un peu particulière quand même. Hein. Lila, comme ça, pervenche. Voilà pour les mats. Et les trois lumineux. Alors j'ai le Salt Lake. C'est des métalliques. Et là, c'est vraiment. C'est plus des toppers. Hein. Regardez celui-ci, c'est vraiment un topper.
Mais c'est très joli sur un beau crayon ou un rouge à lèvres mat. J'ai le lavender. Je vais le mettre ici en dessous. Et pour terminer, le French Blue, qui est un blue, comme son nom l'indique. Et je ne l'ai jamais utilisé celui-ci. Il est très beau. Très 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 beau. Donc voilà pour les jumbo focalure. Donc là, les rouges à lèvres mat, enfin les rouges à lèvres, on a terminé. Maintenant, on peut passer au gloss. Alors, les gloss sont dans un autre rangement qui n'est pas complet parce que c'est vraiment pas le genre de produit que moi j'aime particulièrement. Il y en a certains que j'aime bien, mais ça tient pas sur moi. C'est un enfer, les gloss, c'est un enfer. Ça tient absolument pas. Donc là, pareil, je vais vous les faire dans l'ordre. J'en ai deux mini de chez. Trois mini d'ailleurs de chez H&M. Oui, j'en ai encore quelques-uns à côté. Je vous dis un peu n'importe quoi. Je vous les ferai après. Donc il y a celui du calendrier de l'Avent de 2019, je crois. Il me reste plus que celui-là, qui est d'ailleurs en train de sécher. C'est un champagne. Il est très beau. Voilà, c'est vraiment des bons petits gloss. Il n'y a rien à dire dessus. J'ai le rosé de cette année, enfin de l'année dernière du coup. Donc ils sont avec capuchon rond. Les produits sont avec des capuchons roses cette année. Enfin l'année dernière. Peut-être faire des plus petits swatchs quand même. Voilà, les gloss, vous n'allez pas super bien les voir comme ça. Vous verrez mieux en close-up après. Et cette année, ils avaient mis un transparent avec juste des petites paillettes bleues et vertes dedans. Donc je ne sais pas trop si ça va vraiment se voir. Mais il a le mérite d'être là et c'est sympa de rajouter quelques petites paillettes sur son rouge à lèvres ou des choses comme ça. J'en ai gardé un de la collection Love Dive de chez Shiglam. Pareil, c'est un transparent avec des paillettes bleues. Attendez, parce que je ne sais plus où j'ai mis l'autre. Je vois pas bien moi-même. Donc je ne l'ai pas encore utilisé. Oui, vous voyez absolument rien. Je vais essayer de vous montrer un peu plus près après. Donc là, ça fait partie du calendrier de l'Avent Essence de je sais plus quelle année. C'est des paillettes, hein. C'est un glitter lip topper. C'est très beau pour les fêtes, ça. Et il y a plusieurs tailles de paillettes à l'intérieur. C'est une spatule en silicone. Et ça applique des paillettes. Et celle-là, on les voit bien. J'en ai deux comme ça de chez Essence. Ils sont très beaux. Hein. C'est les Holo Woo. Donc j'ai d'abord le... je cherche le nom. Unicorn Powder. Donc celui-ci, c'est un à base blanche avec des micro-paillettes dorées, vertes. C'est les deux plus beaux qu'ils avaient. Oh, et puis regardez, il fait un holographique un peu rose comme ça. Et le... Dragonfly Shimmer, qui est dans les teintes plus bleues. Oui, j'aime bien les gloss bleus, je sais pas pourquoi. Avec des petits reflets violets. Voilà. Bon, de là, vous voyez pas très bien, mais je vais vous montrer après. J'ai le NYX de la collection Avatar, c'est le Shimmering Waters. Il est splendide. Splendide, splendide, splendide. Ils sentent divinement bon. Et les gloss NYX, ils ne collent absolument pas. Les essences, un peu plus, mais alors les NYX, pas du tout. Donc là, c'est vraiment clairement plus un topper. On le voit vachement moins. Et toujours chez NYX, avec Winx, j'ai le Terra, je crois. Terra Winx, c'est bien ça. Donc là, c'est avec les paillettes vertes, bien évidemment. J'adore. Donc, je vous montre déjà la première rangée. Bon, vous n'allez pas avoir grand-chose, hein, mais vous avez une petite idée de ces gloss-là. Ensuite, j'en ai un de chez W7 que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, je crois. Non, dans un coffret, je ne sais plus. Le Iridescent Lip Topper. Est-ce qu'il y a une teinte? Non, c'est le iridescent. Il est magnifique, il y a des petites paillettes roses à l'intérieur. Il colle pas du tout non plus.
Il est très 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 joli. J'en ai un de chez Action. Bah, celui-là, je pense que je peux le jeter parce qu'il est totalement séparé. Ah oui, il pue. Donc celui-là, je le jette. C'est le un Mickey comme ça. Mais de toute façon, je crois que je l'ai utilisé qu'une fois. J'en ai trois de chez Focalure qui m'avait envoyé toutes les teintes. J'en ai gardé que trois. Les autres, je vous avais mis en... Enfin, je vous ai mis de côté. J'ai le Lulabi. Donc là, ils sont hyper opaques et ils ne collent pas du tout. Ils sentent super bon et ils sont dus au chrome. Donc là, c'est un topper. Mais vous allez voir qu'il y en a un autre, au moins un des autres, qui est vachement... Enfin, j'adore, quoi. J'ai le Envy Shadow. Je crois que c'est celui-ci que... Ouais. C'est super opaque. Magnifique. Et j'ai le Amethyst Quartz. Celui-ci est très beau. J'adore les reflets qu'il y a dans celui-là. C'est celui qui fait le plus d'effet duochrome et c'est canon. Oh, trop beau. Alors, j'en ai... Toi, t'es un quoi, toi? C'est un muse. J'en ai deux de chez Shiglam comme ça. Donc, j'ai le... Non, j'ai dit n'importe quoi. Celui de chez Charlie et la chocolaterie. Donc il est bien opaque aussi, hein. Ça vous pouvez le mettre seul, moi je mets toujours un crayon en dessous, mais vous pouvez clairement le mettre seul sur les lèvres. J'ai un NYX Sleep Tease en teinte First Date, je l'adore celui-là. Franchement c'est rare que j'adore un gloss, mais il sent super bon, il est, regardez. C'est un des gloss que je mets le plus parce qu'il est super opaque. Ça fait vraiment un effet comme un rouge à lèvres. J'ai un lip tint de chez Amuse, comme ça, que j'avais reçu de la part de Stylvana. Alors ça, bon, vous laissez poser et vous essuyez et ça teinte. J'aime beaucoup la teinte. C'est pas vraiment mon kiff non plus, mais bon, il est là. J'ai trois glitter switch de chez Essence. J'ai les trois qu'ils avaient sortis. Il y en a un dans les teintes rouges que j'ai pas acheté. On a le glittery rose. Donc vous n'allez pas voir les paillettes. Je vais attendre un peu qu'ils sèchent pour voir. Mais vous le mettez sur vos lèvres, vous pressez vos lèvres et vous avez les petites paillettes qui apparaissent. Et c'est un truc de fou. J'ai le shimmering violet. Violet, violette, comme vous voulez. Et très opaque. Hein. Et là, ça sèche. Vous pressez vos lèvres et les petites paillettes apparaissent. C'est canon. Mais vraiment canon. Et le Glisty Blue. Donc, je vais le mettre ici en essayant de ne pas m'en foutre sur plein mon pull. Alors, je vous fais les... Parce qu'il me reste encore un glitter flip et deux métalliques avant de passer aux 5 petits derniers, là. Bon, j'arriverai peut-être à vous les faire... peut-être plutôt ici. Voilà. Ici, c'est encore un glitter flip de chez Eye Diane. Je l'ai pris parce que j'aimais beaucoup la teinte. C'est la teinte 02. Il n'y a pas de nom de teinte. Donc, je vais vous le faire ici. Mais celui-ci, les paillettes, c'est pas un truc de ouf comparé aux essences. Voilà, mais la teinte est super belle. J'ai le Glitter Goals de chez NYX en teinte. Oula. Je ne sais pas, je ne vois pas l'information. Ah, c'est écrit en dessous. Bloodstone, c'est écrit sur le cucu. Celui-là, il est magnifique aussi. Et le dernier ici, c'est toujours un NYX. C'est un NYX Suède métallique. C'est le
Il n'y a pas un nom plutôt qu'un numéro. Motard de canon. Donc ça, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent aussi. Et là, on est vraiment sur du métallique, mais alors canon. Donc voilà pour ceux qui sont dans mon rangement. Et je vais voir si on arrive à activer les petites paillettes là. Un peu, mais c'est pas. Bon, je suis en train de mélanger les teintes. Vous n'allez pas vraiment voir les paillettes. C'est dommage, mais ils sont vraiment très beaux. Voilà. Donc, ben, ce qui reste, je vais vous les faire pour le dos de ma main ici. Je suis en train de me foutre du rouge à lèvres partout, enfin du gloss partout. Alors, j'ai le Pillow Talk de Charlotte Tilbury qui faisait partie du coffret, c'est un que j'utilise énormément, je l'adore. Voilà, je le mets très souvent, il y a des micro-paillettes à l'intérieur. Et il fait partie de mon Project Pan et je suis au bout. Hein. Franchement, il me reste vraiment pas grand-chose. Hein. Je crois qu'il me reste ça à l'intérieur. Donc, celui-là va bientôt être terminé. Il est vraiment très beau. J'ai un comme ça de chez Fenty qui est le fusil. Donc c'est un mini aussi, hein, mais qui faisait partie d'un coffret avec un highlighter. Et pareil, je l'aime beaucoup aussi. Celui-ci, il sent et la cerise. Ils sont superbement bons. Bon, ils se ressemblent un peu, hein, sauf qu'il n'y a pas les micro-paillettes à l'intérieur. J'en vais vous montrer de plus près. J'ai deux Silk Balm de chez Huda. Donc j'avais racheté avec les mini rouges à lèvres à Amy. On a le Toasted. Donc je ne les ai pas encore testés ceux-là. Mais waouh. C'est hyper opaque. Hein. Je ne m'attendais pas à ça. Ah, oh, puis ça sent bon. Et le Burning Cherry. Ouh. Et pour terminer, j'ai un lip strobe de Huda. C'était Amy qui me l'avait, Manon qui me l'avait envoyé. C'est le Shameless et oh my god, ce truc. J'aime trop, 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 trop. C'est magnifique. Donc voilà pour les 5 petits derniers. Et j'ai hâte de tester les deux mini Huda là parce que je ne les ai pas encore testés et j'ai hâte de tester ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a fini avec les produits lèvres. Je vous promets, je ne sais plus c'est quoi que je vous ai prévu pour après, mais au moins on a fini avec les produits lèvres. Donc voilà. Dites-moi s'il y a des rouges à lèvres bâton ou gloss que vous aimez. Moi, c'est pas trop mon kiff, c'est pour ça que j'en ai beaucoup moins que les liquides mat parce que j'adore les liquides mat. Voilà, surtout ceux de la première partie, hein, Jeffree Star, Melted et tout ça. Mais voilà, chacun ses goûts, mais moi les rouges à lèvres bâtons ne tiennent pas sur moi. Voilà. Donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve de toute façon demain en vidéo, je crois. Et je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.